Oh, bonjour, Moussaillon, et bienvenue sur Benzaï Live pour jouer à Peter Jackson King Kong, the official game of the movie. Donc là, on joue pas à King Kong, on joue à Peter Jackson's King Kong, the official game of the movie. C'est ça le titre du jeu sur le SRB. Vous comprenez? Bref, ce jeu a une petite histoire assez intéressante. Rassurez-vous, elle est moins longue que ce film interminable de chiasse, C'est aux pas effets long. spéciaux totalement ubuesques. Merci Darkseekers. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé King Kong. Voilà, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux, Sorcerer des Anneaux pour ça a l'air le plus. Ça a l'air. Quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est plus long déjà que toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bref, par contre, je sais plus, C'est pas je crois que long. c'est à cause de. Merci Fortunus Gaming. C'est pas à cause de justement ce fameux. Tu sais, là, le jeu dont ils vont sortir la suite bientôt de Michel Ancel, Beyond C'est Good and Evil. énervant. Donc c'est à cause de ça. Merci Zylog, mon dieu, je suis de bonne mort. Du coup, eh bien, il se trouve que Peter Jackson a lui-même été impressionné par ce qu'avait fait Ubisoft et Michel Ancel, qui a dit: toi, je te veux dans ma team, je veux te parler de projet Avengers. Et oui, il a un accent italien. Et du coup, eh bien, arrive le jeu Peter Jackson, qui est l'official game of the movie. On joue sur GameCube, hein. Je rappelle, hein, 145 de cube, on sort les vrais jeux de la vraie GameCube. Parce que j'ai un amour particulier pour la GameCube, je ne me l'explique pas vraiment. C'est pour moi, la console, elle a une aura au même titre que la Super NES. Ou... Ça m'excitera toujours de voir une Super NES branchée sur une télé, j'ai envie de jouer au jeu qui est dedans. Surtout si je connais pas. La GameCube, c'est pareil. La Dreamcast, encore pire. La NES aussi me fait ça. Moins les autres consoles, bizarrement. 64. J'ai souvent l'impression qu'on va se faire chier. La PS2, ça me. Pour moi, elle n'a pas une aura incroyable. La Xbox, elle est surtout très grosse. La GameCube, ça me parle. Bref. Du coup, on est sur GameCube. Et vous allez voir le petit truc de ce jeu-là, c'est que c'est un FPS, mais qui n'a pas d'interface. Et du coup, faut regarder le nombre de balles, faut écouter ce que dit ton personnage, etc. Et puis quand on joue King Kong, c'est un beat'em up dégueulasse. Voilà. Je veux les Des acteurs de extraits du l'équipe à film. bord dans moins d'une heure. Non, Carl, tu peux pas faire ça. Dis-leur que le studio nous impose de Mais passer si, une je suis mission Jack d'urgence afin Black. d'attaquer Oh, je fais Mais lire au laissez-moi bruit savoir quand. Nous bizarre. avons 3 heures devant nous pour trouver une nouvelle héroïne ou nous sommes fichus. Il y a des milliers d'actrices au chômage dans cette ville. Là, dehors, il y a une femme née pour jouer ce rôle. Merci, Lumiac. Une femme qui veut voyager au cœur de l'inconnu. Alors, la compression des vidéos GameCube a toujours été dégueulasse, hein. Sur GameCube, ça a toujours été pourri. Je suis entré en possession d'une carte. Celle d'une île non répertoriée. Un endroit qui n'a Où il y avait été Adrien Brody. Qu'un mythe. Adrien Brody qui met des high kicks à des Vélociraptors. Amélie Poulain sur Skull Island. Mais après, rassurez-vous, hein, je n'ai pas beaucoup plus aimé Skull Island en lui-même. Par contre, je suis très excité par Godzilla King of Monsters, parce que ça, par contre, ça m'excite. Et j'avais bien aimé le Godzilla 2014. J'arrive même plus à me souvenir de combien quand il date. Mais le dernier Godzilla cinéma américain, j'ai bien aimé. Je suis un mutant! Ben, pourquoi mon stick est verticale, appuyez sur A pour valider. C'est bon, ça va mieux. Mais attends, mais là ma mallette a un problème. Et là, vous ne devriez pas débarquer dans ces conditions. Il y a des creux de plus de 6 mètres. Oui, voilà, non, parce que il bourrait le stick tout seul. On a fait 8 semaines de mer dans votre rafio puant à la recherche de cette île légendaire. Et elle est là, juste plutôt stylé, hein, les effets d'eau. Hein. C'est Jack Black en face?
qu'on peut augmenter le gamma, s'il vous plaît? Mettre des sous-titres, on va baisser un peu le volume des effets. Alors les contrôles, vibration, axe de visée normal, viseur non, inventaire non. Et voilà, parce que le but c'est d'être le plus cinématique possible. Ouais, le King Kong avec Samuel Jackson, c'est Skull Island justement, j'en ai parlé, je trouve pourri. La suite de ça, Godzilla Kings of Monsters, où il y a Mothra, Gamera, tout ça, ça ça a l'air stylé. Et je fais quoi moi? C'est les conditions idéales. Garde, le courant nous emporte. C'est trop dangereux. Il faut faire demi-tour. Non, c'est hors de question. On y est presque. On va essayer d'attraper plus loin. Denham, attention au rocher. Il va nous tomber dessus. Ne vous inquiétez pas. Ça ne craint rien. Encore un effort. Les mecs, ils ont envie d'enculer Jack Black avec leur pagaie. Les pagaies, un préféré de Pierre Palmade depuis peu. Regarde à gauche, il y a les dauphins. Je sens presque les embruns. Wow, wow, wow. Donc le jeu est fait par le papa de Rayman. C'est ça qu'il fallait retenir. Jerry, il a perdu connaissance. Hé, hey, Jack, vous nous avez fait peur. Anne? Vous êtes ventriloque? Vous n'êtes pas blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été projetés contre les rochers. Alors effectivement, la version 360, je pense qu'elle a beaucoup moins vieilli, vu que c'était la version PC au max. Je peux me lever, oui. Du coup, ce cinématique FPS, on ne peut pas le laisser là. Sur GameCube. Oui. Essayez de prévenir le capitaine Engelhorn. Alors vous le voyez pas, mais le framerate est un peu une femme libérée quoi. C'est-à-dire que des fois c'est à 30 FPS, des fois c'est à 60. Par exemple là c'est hyper fluide. Et l'animation de l'eau est super belle. Attends, mais c'est moi ou le truc se recolorise tout seul autant qu'il veut? C'est une strat, hein. Ouah, et puis c'est pas... Enfin, le gamma, il est violent, quoi. Je sais pas. Mais un petit peu de brillance. Un peu moins de contraste. Voilà. Jack Black en 3D dans ton jeu, qui est plus maigre qu'en vrai. On n'y voit pas 5 mètres. J'ai plutôt bien fait, hein. Ouais, trop sombre. J'ai ce qu'il nous faut. Alors, j'adore Jack Black, hein. Mais je trouve qu'il a quand même certains gimmicks il faut aimer ou détester, quoi. Regardez. Oui, je l'ai. Il est fantastique. Jack, viens par là. J'ai une arme pour toi. Tout bien foutu, quand même, hein. Longueur 9 mm. Fais gaffe, la détente est sensible. Avec moi, Jack! C'est impossible! Mais vous tirez sur quoi là? Non mais attendez, mais c'est pas possible, personne ne joue comme ça. Et d'ailleurs, justement, dans Jablinski, il est chiant un peu, Jack Black, quoi. Il fait un peu rien quoi. C'est genre, au bout d'un moment, oui, nana, c'est du troll et tout, quoi, mais bon... On s'emmerde, quoi. Mais putain, j'ai beau baiser le... Non, non, mais on voit rien de chez rien, quoi. D'accord, j'essaie de vous donner... De retrouver un semblant de jeu vidéo, quoi. Je cherche le jeu vidéo. Non, bon, il est absent.
Je me bats contre Ascoloporn, vous le voyez. C'est le dernier épisode de Game of Thrones en fait. C'est pas juste le jeu. Va falloir recharger. C'est bon, j'ai ce qu'il faut en chargeur. C'est pas juste le jeu King Kong, c'est le jeu Game of Thrones quoi. Alors, il y a un jeu qui est vraiment brisé par sa. Par son gamma. C'est vraiment 1264. C'est génial, on va mourir, lol. Mais je veux une torche en fait. Rien, sa mère. Allons-y, il faudrait atteindre cette falaise. Et non, je joue pas sur émulateur, ça sert à quoi que je vous montre le jeu à chaque fois? On joue sur une authentique console. C'est pour ça que c'est immonde, mais au moins c'est la vérité. Et le jeu avait un mode 16/9, ouais. Pour de vrai. On doit pouvoir passer par là. Jack, tu viens me donner un coup de main? En vrai, je l'ai pas fait en entier le jeu, j'avais joué qu'à la démo et je regrette un peu parce que je sais qu'il avait des bonnes notes. J'ai ce qu'il faut en chargeur. Il était plutôt stylé. Je pense que j'aurais dû jouer la version 360 ou PC. J'avais un bon PC à l'époque. J'ai ce qu'il faut en chargeur. Et donc il y avait tout ce truc de dire quand tu vois si j'appuie sur recharger. C'est bon, j'ai ce qu'il faut en chargeur. Ça c'est parce que j'appuie sur recharger alors que c'est inutile parce qu'en fait le jeu te dit c'est bon. Mais il n'y a pas d'interface. Gardez hey, R pour saisir le pilier. Ok. Attends Jack, j'arrive. Jack, on ouvre. Anne, venez avec moi. On va tourner quelques plans. Maintenant? Vous voulez tourner maintenant? Évidemment, c'est pour ça que nous sommes là. On va commencer. Mais allez, dialogue-toi, dialogue-toi. Vous êtes prêts? Action! T'enlève tout, et le Tempex. Criez, criez de toutes vos forces! Ça sert à quoi? Y'a même pas le son dans ton film. Qu'est-ce que ça pourrait être baillé, pareil. Restez concentrés, utilisez cette peur. Deuxième prise, action! Oh mon dieu! Attention! J'ai affronté des crabes des vases plus vaillants que vous. Marcus Phoenix qui dit... Si je rencontre le doubleur Marcus Phoenix, je lui fais dire... Non mais je rêve des crabes des vases. Blague. Meurs, saloperie. Joli coup. C'est bon, j'ai ce qu'il faut en chargeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Regardez! Il est énorme! What? J'ai l'impression que le jeu est mieux que le film, en fait. Va falloir recharger. Je joue un meilleur film. Superbe Jack, magnifique. Attends, je vais remettre le. Je vais bien remettre la péritelle parce que là c'est. Vite, c'est ouvert, venez vite. On file. Voilà, la scène des insectes dans le film, elle est bien dégueulasse, ouais. N'oublie pas de loot. Non, je crois pas qu'il y a de loot, malheureusement. Vous entendez? Oh, par contre, putain, je suis un alpiniste de ouf, quoi. Il a vu notre signal de détresse. La musique qu'on peut plus, non plus. Par ici, Capitaine Angalorn, par ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Il peut pas se poser. Pas sur la terre ferme. Il lui faudrait un plan d'eau abrité de la tempête. Chut.
Je vous suis. Non, pas le sombre. Là-bas. Il a largué quelque chose. Il peut récupérer ce qu'il y a dans la caisse. Serre-toi, Jack. Et fais gaffe. Deux chargeurs en réserve. Engelhorn nous a localisés. Il va sûrement continuer à nous envoyer de quoi nous dépanner. Va falloir ouvrir l'œil. Mais je veux garder le flingue. J'appuie sur A, je regarde un perso. Anne. Et elle me jette son arme. Vous tenez le coup, Anne. Ça va, Carl. Je suis trop loin. Mais attends, Anne, reprends ton arme, what the fuck. Ça va, Anne. Ça va. Non mais le flingue, mon fusil. Mais là j'ai... Ah. Planquez-vous tous. Mais non mais mon flingue. Ah merci. Chut, regardez. C'est dégueulasse, qu'est-ce qu'on fait? Battez-vous si vous avez envie de vivre. Il va falloir que je recharge. Dernier chargeur en réserve. Dernier chargeur en réserve. J'ai besoin de ton aide pour celle-là. Viens me filer un coup de main. C'est bon, on y va. Yeah. Qu'est-ce que je fais, de la muscu? Il y a un deuxième levier là, par terre. Cale-le bien dans le poteau. Ah. Ok, on y va. C'est très logique. On y va, Jack. Ces portes, elles font pas très vieilles. Elles fonctionnent parfaitement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est bizarre. Et l'autre chaloupe? Jimmy, Preston, Lumpy et les autres. J'espère qu'ils ont pu accoster. Rien ne se passe comme prévu depuis cette expédition. Wow, wow, allons, mes amis. Gardez confiance. C'est une chance inouïe d'être ici. Skull Island, l'île légendaire. Filmé par le grand Carl Denham. Mais plutôt pas mal fait, hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Ils essaient pas de faire des méga textures et tout, mais c'est par contre dans la lumière et... Et la compo en fait de l'image que le jeu en fait est magnifique quoi. Par contre j'aimerais de la couleur ouais, de la lumière un peu. Déjà, justement parlant de lumière j'aimerais qu'il y en ait un peu plus. Mais je pense que le jeu va mieux vieillir que le film. Parce que le film je trouvais déjà insupportable. On arrive à l'air libre. Day One. Faut qu'on trouve un plan d'eau à l'intérieur de l'île pour que l'avion puisse se poser. Jimmy, ah. On est retourné dans une boucle temporelle où les gens revivent la première cinématique. Par ici. Le courant est trop fort. Mais on y pas. Bon, ça c'est ridicule. Bon. Accostez dès que vous pouvez. Mais ce petit Jack Black n'empêche, hein, il fait le café, hein. Elle, on a déjà oublié qui c'était qui jouait dans le film. Pour l'instant, il faut il était cool dans le film. Pour deux chargeurs en réserve. Je veux prendre un os. Heureusement que c'est pas des plantes qui donnent le sida. Tout un Oscar à ce bateau quoi. Tu vois, regarde là, si tu vois ce faux Godray, dites-vous qu'on est... Bon alors certes, le jeu est sorti tardivement hein, sur console. Il est sorti en fin de génération, c'est pour ça qu'il y a une version 360. Hein. On est en 2005, on est à l'aube de l'ère de la HD, des consoles HD. Mais toujours est-il que la GameCube ne peut pas gérer le Godray comme sur... c'est-à-dire l'espèce de halo de lumière qui fuit comme ça, etc., qui traverse le plancher.
ça c'est pas possible de le gérer en temps réel, nativement, avec un moteur de jeu. Déjà sur Crysis, enfin les directives, enfin bref. Et là. Regardez, c'est tellement bien simulé. Alors c'est forcément mytho, hein. Pas complètement disparu. Regardez là-bas. Jack, qui a allumé ce feu? Ah, vous pensez que cette île est habitée? Excellent! On manque de figurants dans cette production. Mais c'est marrant parce que la voix, on dirait quand même que c'est Christophe Lemoine, mais pas vraiment. On dirait Christophe Lemoine qui fait semblant de pas être Jack Black. C'est ce que je veux dire? Parce que dans les autres films, où il y a, dans les autres jeux où il y a Christophe Lemoine, notamment Alan Wake, le sbire de Alan Wake tombe sous fifre là avec son gros manteau. C'est vraiment Eric Cartman pour le coup. Non, genre, putain, Alan Wake, oh merde! Si on dégage le passage, il faudrait enflammer une lance et tout brûler. Par contre, là, les plantes, on dirait Rayman 2. Attention, quoi. Ça va tomber! Le jeu qu'on peut plus. Mais en vrai, ça vous paraît flou et dégueulasse, mais vous avez pas testé Zelda Breath of the Wild en VR, vous hein. C'est pareil, hein. Ça ressemble à ça, en vrai. D'ailleurs, en fait, la résolution est tellement basse, et le framerate aussi, que, en fait, ça donne pas le même vertige et le même oomph et la même immersion qu'un vrai jeu VR, je trouve. C'est assez spécial comment ça fonctionne. Pas très très beau. Et du coup Zelda VR c'est vraiment très très gadget quoi. Et tu testes, tu fais ok d'accord sans 3D MVR. Mais le relief t'en profite tellement pas parce que c'est... T'as l'impression en fait, t'as l'impression de jouer à la version. Est-ce qu'il y avait un portage 3DS de Breath of the Wild que tu regarderais à travers des lunettes sales quoi. Les vraies sensations. Les vraies sensations. Ah là là les scolopendres. Alors est-ce que le pendre en vrai c'est déjà dégueulasse? Dans le mille. Là c'est que tu vois tu peux la reprendre la truc, ça c'est cool. Oh là là! L'autre il vient pour changer la couche de Jack Black quoi. Va falloir recharger. Mais hyper cohérent ce jeu, hein. Mine de rien, Michel Ancel avait fait du gros café, hein. Je rappelle qu'on est sur un film, sur un jeu adapté d'un film, qui est mieux que le film. On peut y aller. Bon, ça se discute, hein, mais le jeu n'a absolument pas à rougir avec les autres productions de l'époque, encore moins sur son portage, on va dire 128-bit classique, quoi. Et quand vous avez connu True Lies sur Game Gear, ou Judge Dredd sur Game Gear, ou Total Recall sur NES, ou Terminator 2 sur Atari ST, enfin, genre dites-vous qu'à l'époque, les grands films très très stylés que tu vas connaître toute ta vie, Conan, Terminator 2, ça c'est des jeux de merde. Des jeux de merde. Vous avez votre compte de sensations? Venez Anne, on va tourner quelques plans devant cette statue. Monsieur Denham, on devrait plutôt s'occuper de retrouver Preston et les autres. Retrouver Preston? Mais bon sang, vous avez raison, il doit avoir au moins 3 boîtes de pellicule sur lui. Là-haut, regardez! Vol! Presque plus de balles. Aïe! Y'a un homme touché! Donne-moi ton arme, donne-moi ton arme! Bougez pas! J'ai ce qu'il faut en chargeur. Ah, est-ce que là j'ai ce qu'il faut comme chargeur? Allons-y, la voie est libre! En vrai, le jeu est assez passionnant. Hein. N'oublie pas ton ulti, pour le dernier boss, uniquement pour le dernier boss. Quand je vois King Kong, là je sors mon arme lourde. Toujours, toujours, toujours. J'arrive!
En Finlande, il y en avait pas mal des fois. T'allais pisser, t'envoyais un énorme. T'allais à un endroit impossible à trouver, impossible à accéder. Et là, tu fais. Oh, il y a certainement une version PSP aussi. Pas qu'ils font flipper. C'est cassé. Non, vous vous en sortez bien. Mais non, non, je... Et le côté non interface, c'est un très très bon concept. Hein. Ça n'a pas été assez exploré. Oh, what the fuck? Ça n'a pas été assez exploré dans le monde du jeu vidéo, quoi. Ou alors ça a souvent été fait de façon casse-gueule, alors que là le concept de ce jeu King Kong est parfait, quoi. Bordel de merde, vous êtes beaucoup flippé. Et c'est vrai que la version 360 à côté, t'as envie de rire, hein, parce que c'est vraiment en HD de ouf. Les textures sont magnifiques, les effets de lumière aussi. Là, c'est waouh. On sent qu'on est en fin de vie, quoi. Mais c'est mieux que Medal of Honor, hein. C'est déjà 100 fois mieux que le Medal of Honor. Que pourtant, à l'époque, tout le monde devait jouer à Medal of Honor. Hein. Alors que King Kong, bon. Plus anecdotique déjà. Je viens avec vous. C'est de la folie. Mais vous êtes folle, bordel! J'arrive, Jack! Mais. Mais enfin, il est une fille! Mais par contre, ouais, le décor est super beau! Waouh! Waouh! Oh putain! Ils sont vraiment dégueulasses, quoi! Va falloir recharger! Pourquoi Michel Ancel a parfait des FPS comme ça? Vous êtes en talons, bordel! Merci, Jack. C'est à vous maintenant. Soyez prudent. Non, mais on a joué à Medal of Honor hier. Il a beaucoup plus vieilli que ce King Kong. Il est vraiment dans un sale état, hein, Frontline. Hein. Faites vite! On se retrouve tous là-haut! Dans un tel sale état que même, on a même vu que le remake, le remaster de Frontline était, avait vieilli, quoi. Je suis champion du lancer de javelot. Merde. La meuf, elle y va, c'est une warrior, hein. Mais genre, je veux pas que vous vous dévoriez entre eux, je veux que vous mouriez tous ensemble. 5 chargeurs en réserve. Alors certes, la résolution fait peine à voir. Un petit peu plus propre, ça aurait pas été de refus. On est suivi. Là-bas. Quoi, il y a des hommes? Attendez, mais je veux un bout de bois. Dracarys! Stylé quand même. Bien joué. J'ai l'impression qu'elle crame aussi, c'est super. Je m'occupe de la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle! Elle a aucun mouvement de dégoût, quoi. Marissu! Derrière vous, Jack! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Quelle aventure! Ah! Brûlé! On pourrait essayer de les attirer ailleurs avec de la nourriture! Mais on pourrait aussi les brûler! Là, si je vous attire. Ça marche! Profitons-en vite! Mais elle fonce dedans, elle est totalement folle, hein! Ouais, c'est pas demain qu'ils auraient pu faire Skyrim sur GameCube. Hein.
C'est pas des gâteaux secs, ça. Demi-lune. Elle, c'est pleine lune, plutôt. Lol, MDR, son cul. 5 chargeurs en réserve. Bon, c'est très vite devenu une tâche mondaine de tuer des putains de ptérodactyles mutants énervés. On arrive sur un plateau. Les 50 scolopendres. On va pouvoir se repérer. En tout cas, tout le monde s'en est remis, hein. On peut pas en parler. Regardez là-haut. Encore un feu. On n'est pas tout seul sur l'île. On doit approcher d'un village. En fait, le jeu prend plus de temps de développer tout, tout l'univers du film et mieux. C'est impressionnant. J'y vais. Anne, attention! Heureusement que vous êtes gentil. Va falloir recharger. Mais sur console, vaut mieux un auto-aim cohérent et discret. Trois chargeurs en réserve. Jack. Que de la merde. Il y a un immense mur là-bas. Gigantesque. Oui ? On y va, Jack ? Allons-y ! Les autres sont sûrement pas loin. Ah ! Elle me fait brûler ! Je sais pas si vous êtes très heureux que ce soit streamé en 1080p. Quoi. Je vous couvre depuis le bord. Mais comment on sait que c'est beau ? Enfin, que je peux nager ? Mais attends, c'est moi ou tu viens de tuer un mégalodon? What the fuck? Ah ouais, on s'en bat les couilles. Le framerate est dans les choux d'ailleurs. Mais tends-moi la main et prends la mienne! Oui, mais c'est pas trop tôt. Aïe. Merci, Yann. Vous êtes redoutable. En général, je touche ma cible. Et moi, je touche le reste, lui. Par contre là le framerate là de la, là, la GameCube ça y est bon, elle est morte. Elle abandon quoi. Mais what the fuck, où est-ce que t'as trouvé ça? Je vais faire griller une libellule. Oh là là, j'ai l'impression que je vais pas me sentir bien. Sorte de cet enfer. Crois, pan, oh merde, je suis mort. Va falloir que je recharge. Deux chargeurs en réserve. Dracalis, brûlez tous. Attention, là-haut. Vite, Jack. On file. Les trucs s'en foutent que ce soit en... Moi, je fais tout brûler. Oh non, il pleut. Oh. Attends, je reviens vers vous à 2 FPS. Un coffre, j'espère que c'est pas une mini. Là! Oh, il est pas mort! Oh putain, saloperie! Putain, je lui ai piqué le cul 6 fois! Oh putain de merde! C'est bon, tout va bien. Je le sens bien, je le vis bien. Ça
C'est quoi ça, des bambis? Le jeu est gris, hein. Quelque peu. T'as vu cet auto-aim très très généreux? Cette île est vraiment fantastique. On a failli mourir, connard. Jack Black. Mais putain, mais l'autre, elle fonce dans le feu, c'est The Unburned. C'est vraiment Daenerys, quoi. Rien. Ils ont dû accoster encore plus loin. Bon, continuez à quadriller votre secteur. Ils doivent pas être loin. Hé, hey Jack, j'ai le fusil à lunettes. Si tu le veux, fais-moi signe. Oui. Jack, derrière toi. Mais putain! Largué par Engalor. Prends-en soin, c'est de la mécanique de précision. Ok, très bien. Ça marche. Allons-y vite. C'est bon, on y va. Let's go. Bon, pour l'instant, on progresse dans le jeu, mais je sais pas s'il se passe des choses vraiment. Je fais des rêves de Mégalodon. Coupée, elle est bonne. Mais là, c'est Scolopend the game, quoi. Ah! Il peut pas se poser. Nié. Mais ça fait moins de dégâts que le flingue de base. Bon, ça, les pivers, on s'en fout, pire. Ah non, mais attends, mais donne... Donne-moi ta truc, là. Là, vous voyez quelque chose, bordel de merde? Pourtant, le jeu attend de moi que... Deux chargeurs en réserve. Oh, mais il y a ces trucs dégueulasses, là. J'ai perdu mon bateau. Il y a des fougères. Regarde, ils sont invincibles, quoi. Va falloir que je te charge. Ah, il les mange. Dernier chargeur en réserve. Je tire dans de la purée, sa mère. Tenez bon. Bientôt à sec. J'ai pas un flingue? Ah, j'ai plus de flingue du tout. Sec. Oh. Attention à gauche. Ça le prix. J'ai un bâton. Je joue à Rust. Oh mon Dieu. Ah, la meuf, elle va tout gérer. Regardons là. Ah. J'arrive, je vous regarde de loin. Mais ça va aller, bordel. Va falloir recharger. Ils veulent jamais crever, hein. Dernier chargeur en réserve. Il y en aura d'autres. Non, je veux pas. Oh, j'en peux déjà plus. T'es mort, oui. Check.
Putain, on dirait ma mère quand le souper est prêt, quoi. Oui, j'habite chez ma mère. Ah, j'ai vu des gens. Des gens tout nus. Attention. Alors, rien à péter, quoi. Comme des sauts de mange. Le jeu, t'es ambitieux, quand même. Vous avez entendu, Jack? Carl? Ace? Vous êtes là? On approche du mur. C'est un ami à moi qui a dit... Oh, bah, dada. Tu fais au moins 20 mètres. Oui, non. Non, d'accord, c'est bizarre. J'aurais cru... C'est toi, Jack Black? Et c'est toujours ça dans les films d'horreur, genre... Le mec, il entend, genre... Ils font... C'est toi, Randy? Tu reviens d'être allé chercher des bières dans le frigo? Presque plus de balles. J'ai plus de balles. Merde. Mais ça, je peux en faire quoi? À part que ça me fait chier, mais... À droite, Jack. Brûle. Mais non, vous êtes trop nombreux. Non, mais il y en a combien? Non, il y en a beaucoup trop. L'autre, il l'a pris en plein dans le buffet. J'ai plus de balles. Il n'y a pas moyen de changer d'arme. Hein. J'ai troqué mon flingue. Quoi. J'aurais pas dû le prendre, ce putain de flingue. Plein de fusil de snipe là. Heureusement qu'il y a ossement en infini. Mais j'en veux plus! Vous comprenez que j'en ai ras le cul ou pas? Oh, sa grand-mère! Le truc a jugé bon de retourner faire la sieste. Ah, j'ai tout jeté. Ah, il a sale gueule qui se tape, quoi. La meuf qui l'a moucheté, quoi. Merde. Mais au bout d'un moment, tu vas t'en prendre un de trop. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Mais c'est vrai que Metro Exodus, ça ressemble un peu à ça, quoi. Ouh, coucou. J'avoue que je serais très très stressé. Mais le jour où je verrai du vert dans le jeu, je serais bien. Et un peu plus de rouge aussi. Nous sommes arrivés dans leur fosse sceptique. Qu'est-ce qu'elle a fait? What the fuck? Putain, j'ai rien vu. Merci. Ah, y'a que moi qui ai le droit de salir mon pantalon, en fait. Mais j'avais pas le droit de me salir. Le mécanisme est là, juste en bas. Je vous ouvre. Vous tenez le coup, Anne?
Mais je sens pas bon. Mais elle veut l'ouvrir sur ma gueule, non, c'est bon. Oh merde. Bonjour. Oh, ça va saouler, je m'endors. Internet ou j'ai pas internet? Putain, mais c'est infernal! De faire une blague discrètement. En plus, il n'y a qu'un seul upload de cette truc. Attends, si je clique sur un autre machin de YouTube. Ah d'accord, mais c'est pas YouTube quoi. What the fuck? François Junot. Regardez YouTube. On est obligé d'aller sur la version Dailymotion, vous vous rendez compte la misère que c'est? Ça se log pas non plus? What the fuck? Ah! J'essaie de me secouer. Je pense qu'on va forcément voir King Kong arriver. Je suis tellement choqué de même pas pouvoir loguer n'importe... charger n'importe quelle vidéo, quoi. Il était pas très beau. Il est low poly de ouf quoi. Bon, j'abandonne. Oh, on l'entend très très bien encore. Enfin il se met à crier quoi. Il voit King Kong, il fait Jack. Et là quand t'as dit au secours, là il fait ah non non. Dieu soit loué, tu l'auras échappé. Ne bouge pas, je te détache. Tu as vu ça? Il répétait son nom, Kong, Kong. Oui, j'ai vu. Carl, il a emmené Anne. Quoi? Oui, oui, je sais. Oh, c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Il est gigantesque, incroyable. Par ici. Jamais stressé, Jack Black? Il passe par le petit sentier très facile. Je
J'ai même pas pu mettre il y a des papous de Marie Dauphin quoi. Non mais tu sais c'est frustrant quoi, genre tu lances un truc, YouTube se log, tu lances une vidéo, elle se lance pas quoi. Oh là là. Ça me trigue en tout. Pas de nouvelles de Hayes. On a été séparés. J'espère qu'il a pu s'en sortir aussi. Donc maintenant, c'est Jack Black que je dois écouter toutes les deux secondes. Oh, le framerate! Pourquoi a-t-il filmé ce fossé? C'est vrai que c'est... Bon, des fois, c'est l'énigme. Tu as entendu ça? Et ses bras? Tu as vu la taille de ses bras? Je veux t'embrocher, te faire cuire, Jack Black, tu es gras et juteux. Oh. Il faut passer par la GameCube crash cette rue. Et il n'y a pas d'autre issue. Là-bas, ça a bougé. Plante-toi, Jack. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi je te fous des coups de savate dans le film, alors c'est pas maintenant que tu vas m'emmerder. Ah, deuxième vélociraptor. Ah, c'est comme dans les vrais films hollywoodiens, c'est genre dès qu'il y a un personnage principal qui commence à mourir. T'entends des chants de minaret, genre avec du ralenti. Genre, non, Johnson! Johnson! C'est tout le temps ça, quoi. Par contre, non, c'est cool dans un jeu vidéo d'avoir mis ça, quoi. T'imagines dans Dark Souls, dès que tu commences à... Et là, t'as Enya, genre... Ah, mais non... Mais en vrai, putain, le premier, on l'a défoncé, quoi. Ah mais j'ai pas d'arme, je suis con. Passer par cette porte. Et il n'y a pas d'autre issue. Là-bas, ça a bougé. Non, c'est pas Enya, mais non, mais bref, on m'a compris. C'était quoi? Plante-toi, Jack. Là, je lui ai fait peur avec le feu, du coup il va spawner de l'autre côté, c'est encore plus dur. Ah, tu vois là, il a encaissé pour rien. Hera, ouais. Enya, c'est genre... La musique où elle dit c'est Noël, mais en fait elle dit pas c'est Noël. Là-bas, donc, c'est ça. Là, je vais te spawn camp, hein. Regarde là, il a rien pris! Et putain, je comprends pas, on l'a défoncé! Il doit y avoir le petit moulin mammouth quand tu meurs. Ah, déjà, je peux pas loguer, il y a des papous sur YouTube parce que le truc fait n'importe quoi. Alors, je suis en train. Je suis clairement sur internet ou alors je stream dans le vent depuis tout à l'heure. Là-bas, ça a bougé! Oh, les deux apparaissent tout de suite. Et pourquoi c'est des petits là?
Mesdames et messieurs, Jack Driscoll. Le jeu qui a baissé la difficulté tout seul. Mon Dieu, Jack, on trouve ce levier, on ouvre cette porte et on retrouve le singe. Wow, le meilleur ami des streamers, quoi. Ah, faut que je trouve le vrai levier qui est dans cette merde, sachant que c'est juste un truc en bois. Oh, t'es pas chiant, quoi. Je veux un briquet, je veux une lampe torche. Il faut passer par cette porte. Et il n'y a pas d'autre issue. Mais tout à l'heure, il y avait 5 scolopendes, 10 trucs. En fait, si tu meurs tout le temps, à la fin, King Kong, c'est un Murphy en plus. Lucas a trouvé. Devient un gibon, quoi. Mais en vrai, hein, c'est cohérent, hein, ça évite d'être frustré, mais... D'un autre côté, genre, on était à deux doigts de le défoncer au début, quoi. Comme dans Dark Souls, on a fait... Notre meilleur try, c'était le premier, parce qu'on était concentré. Donc ça ressemble pas à un levier. Mais de toute façon, dans votre putain de pub de merde, tout est des bouts de bois. Donc qu'est-ce qui différencie un bout de bois d'un autre, sa mère? Il faut rester appuyé, ça. Je croyais que ces bêtes étaient éteintes. Maintenant, elles le sont. Qu'est-ce que tu dis à Hitler? Genre, yo man, réponds-moi, STP. Oh, d'accord, c'est quoi ta question? Tu crois que je t'attends? Jack, faut que je fasse une pause. T'as raison. Moi aussi, j'ai envie de chier, lol. Non, c'est pas ça, il faut que je change de pellicule. Jack Black! Tu es insupportable! Un bout de bois plus 5. Le jeu est passionnant en vrai, hein. J'ai pas envie de le lâcher. Hein. Regarde, j'ai l'impression qu'on a rien fait et pourtant ça fait déjà une heure qu'on est dessus. Et il va peut-être falloir un jour qu'on arrête cette VOD. Je pensais au moins qu'on pourrait faire le début avec King Kong. Waouh, t'as vu, tu bouges les. Ça bouge les hautes herbes. Stylé pour l'époque. Enfin, stylé pour la GameCube surtout, parce que 2005, bon. C'est déjà Call of Duty 2 et qui était full incroyable. Faisons un CS sur console. Alors, autant la compo des lumières fonctionne bien. Ouah, ce boule! Autant le jeu est quand même un peu. Une espèce de chiasse grisâtre sur l'écran, quoi. Là-bas! Vite, filmez ce boule! Je vais pouvoir faire un clip de Nicki Minaj avec! Oui, le cul de King Kong est mieux modélisé que sa gueule, c'est vrai. Regarde, c'est ce une réalité. Incroyable. C'est incroyable. Tu vas mourir, oui. Mais putain! Tiens bon, Carl! Je suis là! Mais non, je suis pas là! On peut rien buter dans ce monde! Mais j'avoue que les doubleurs ont tout donné, hein. On rappelle, c'est un jeu français, hein! Et oui! Franchement, l'animation de cette cascade est magnifique. Hein. Je sais ce que vous en pensez. Certes, c'est qu'une texture, mais. Franchement, c'est beau. Hein. Hyper bien pensé.
Ah mais là faut être deux pour l'ouvrir. Et tu veux que je fasse quoi maintenant? T'es marrant toi. Putain, t'étais sûr que ce serait scripté. Ah non, ah non, ah non, pas les raptors. Ah merde. Vite, vite, vite. Ah, il est tout cassé, mon truc, il est dégueulasse. J'ai un balai maintenant. Et Anne est même pas là pour l'avoir. Ah, je peux même pas le refiler à la fille. LOL, MDR, le joueur du grenier, toi-même tu sais, lancez-moi. Aïe. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Vite, un vieux turc qui chante. Bon. Jack, si tu entends le vieux turc, surtout, tu es un monstre. Ouah, Blighttown, quoi. Putain, mais... Mais sa mère, mais... Mais genre, mais là, tu veux que je leur crache à la gueule ou quoi? Je fais le tour comme un gros con, je vois rien. Ah. Ah, vous déconnez pas là. Ça te tue ça, on est d'accord. Où est ton bâton que tu as dans ta tête? Le mec s'en fout. Mais enfin, quelqu'un meurt au full contact. Ouais, merci Reulos. Reulos. Mais là, j'ai envie de le tuer. Merde. Je voulais le tuer en mode champion olympique. Jack. Merci Reulos, ma poule. Non mais ils vont encore m'appeler le vieux turc. Mais tu vois, j'ai besoin de ce truc. Du balai, du balai. Ah, j'ai l'impression de jouer à Morrowind, au secours. En soi, c'est cohérent avec le film de mettre des patates dans un truc aussi dégueulasse que ça. Lance Dark Souls. Mais il y en a trop. Au secours. Michel Ancel, qu'est-ce que c'est que ce tryhard dégueulasse, quoi? Mais non, mais... Ça y est. Bonjour, Saint-Denis. Je trépasse si je frémis. Tiens bon, Carl. Tiens bon, Carl. Là. Amenez-vous là! Bon, ça fait rien. Allez, je recharge, lol. Pas me casser les bonbons! Yeah.
Chet. Le mec il se prend un putain de truc de fusil à pompe dans la gueule. J'ai plus rien. Ah oui, mais fantastique. On va carrément dans la map. Merci, Mister Nutlol. Merde. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre dans le cul, bordel? Bon, viser c'est de la merde. Attention Jack, tu veux pas tuer ce putain de sac à PV de cheaté? Tu sers à quoi, merde? Qui hurle comme si j'étais mort, quoi. Et comme si j'étais Solid Snake, surtout. Putain, mais attends, avec les munitions qu'ils m'ont donné, le jeu. Ouh! Putain! Le mec se fait engueuler en mourant. Putain, mais. Le mec est saucé, quoi. Hey, excuse-moi, Jack. J'en ai pour deux secondes. Connard! Oui, oui, on va s'occuper d'Anne. Il me faut juste ce bon plan. Il me faut ton gros cul, c'est bon, salope! Maintenant, je me fais péter un câble. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, allons retrouver Kong. Pas trop traumatisé, ça va. Tombe comme un gros PNJ. Pourquoi Jack t'appelle Jack? C'est vrai que c'est une bonne question. Mais bordel, pourquoi c'était si relou, quoi? Pourquoi il avait 500 000 PV surtout? Mais non, mais regarde, c'est déjà fini! J'ai déjà besoin d'aller chercher un autre os, quoi. Heureusement que c'était un nid os, quoi. Allez, tout est fait pour revenir. Mais c'est chiant, en fait. On n'a même pas joué King Kong en une heure de jeu. Mais l'immersion est totale. Et le jeu est quand même une grosse réussite. Juste un peu redondant, là, le fait de tuer des trucs avec... Ils ont vraiment des sales gueules de mérou avariés, quoi. Et là, il n'y a pas de chanson en mon honneur parce que je suis en train de crever. Mais non, mais vous avez compris que vous n'avez pas donné de munitions, quoi. Je suis à sec. Plus de balles. Plus rien. Plus une seule balle. Ouah, t'as vu, il y a plein de répliques, quoi. Tu es en train d'écrire les plus belles pages de ta carrière. Je vais mourir. C'est vraiment joli. Merci, Ginderman. Hey Jack, tu sais quoi? J'ai pu filmer quelques plans pendant qu'elle m'a trimballé dans les airs. La grosse noire. Prise sur le vif. Oh, j'ai hâte de voir ça. Mais, fils de pute, il m'avait volé mon javelot.
Bordel, mais va filmer des Rohingyas, mais casse pas les couilles! Ah, il y a un bonfire. Banzai Live! Les amis, ainsi s'achève la découverte de King Kong. Non, pardon. De Peter Jackson. Où est-ce que j'ai mis la boîte du jeu? What the fuck? Ça alors? Bref, de Peter Jackson's King Kong, The Official Game of the Movie. Et eh bien, on y rejouera peut-être un jour si vous insistez. Voilà, voilà.